Salut tout le monde, je m'appelle Dan Hockey HTagGold et bienvenue à cette toute première vidéo sur Minecraft. Et oui, vous allez me dire dans les commentaires que mais t'as déjà fait des vidéos sur Minecraft. Mais oui, mais on recommence pas à neuf. On recommence sur une des survies que j'ai commencé hier, que je suis quand même très avancé, mais j'ai pas de diamant. Donc, on va aller dans ma fameuse survie. Et on va pouvoir commencer ça et peut-être essayer de trouver du diamant. Hier, j'ai exploré un manoir, puis j'ai trouvé une pièce donc je n'avais jamais vue auparavant. Puis moi, comme un con, le manoir a pris en feu. Et oui. Pourquoi je rentre ici? J'ai rien ici. Bon. Fait qu'on va aller chercher ma pioche. Qui est... Pour ceux qui se demandent les haches qui sont enchantées, c'est parce qu'ils étaient justement dans le manoir. Puis c'est des... Justement, c'est des... C'est ça. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais je ne trouve pas les mots pour... Donc, on va prendre ça. Là, j'ai malheureusement, je n'ai plus de table de craft. En attendant que je m'en aille dans ma maison... que je transfère tout dedans. Je vais prendre ma table de craft et la mettre ici. Donc on va créer quelques bâtons parce qu'on va en avoir de besoin. Entre autres pour pouvoir faire ma pioche. Il va juste nous manquer quelques torches et on sera correct. Donc on prend le charbon. Je vais laisser mon truc là. Je vais prendre la moitié de mes bâtons plus la moitié de mon charbon pour pouvoir prendre les torches. Donc ça va faire un total de 60 torches, ce qui est plutôt correct. Et là, vu que j'ai pas de four, ben, je vais remettre mon charbon dedans. Pas mes torches, mon charbon, mes bâtons, je n'ai pas tant de besoin. Puis ben mon seau de lave, ben je vais aller le remplacer par un seau d'eau. Comme ça, ben avant toute chose, je pense que je vais mettre ici. Où est-ce qu'il y a de la roche? Pas trop près de ma maison non plus. Fait que je vais aller le mettre, disons, ici. Faut juste pas que je l'oublie là. Donc, maintenant je vais aller chercher mon seau d'eau. Et après, on va pouvoir aller explorer ma nouvelle mine. Vu que je n'étais pas préétabli là avant. Donc, c'est comme une toute nouvelle place. Ce qui veut dire que j'ai changé de mine. Puis pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai pas d'armure en fer, c'est parce que je ne voulais pas faire d'armure. Je voulais... créer justement ce fameux système qui fait que à toutes les fois que mon wagon vient se poser ici, il se vide automatiquement et après il repart dans ma mine. Fait que dans le fond, je peux continuer de miner jusqu'à temps que. Dans le fond, jusqu'à temps que le wagon revienne à sa place. Et après, je vais pouvoir tout transférer mon stock dedans et le réenvoyer pour qu'il puisse se vider automatiquement encore une fois. Donc, si je check rapidement, j'espère que c'est quand même une bonne mine parce que... Disons que j'aimerais ça, trouver du diamant. Donc, déjà là, en partant, on a du fer. Ça commence plutôt très bien. Puis j'ai toujours pas refait mon fourneau, c'est terrible comment que je suis pas dedans cette fois-ci. Je vais parler un petit peu de mes survies précédentes. J'ai trois autres survies que au final j'étais tanné de faire parce que j'avais déjà battu le dragon. Puis ça commençait à devenir plat. Fait que j'avais plus rien à faire, j'avais visité les trucs de Shulkers puis... Pas trouvé, ben j'ai trouvé des bonnes choses, mais disons que je me suis tanné.
Fait que là, je suis reparti d'une nouvelle survie. Et là, on est là. On est où, là? Fait que c'est ça. Fait que je vais recommencer cette survie, puis j'avais out parce que sérieusement, je m'emmerdais solide. J'avais déjà tout exploré. J'avais déjà mon armure de diable quasiment tout enchanté. J'avais un épée cheaté. Puis. Là, plus que j'avance dans l'île, plus que je trouve que finalement c'était pas une mine prometteuse. Ah, ça va peut-être changer au final. J'espère que je m'en vais pas dans ce trou-là pour rien. Là. Fallait que je m'ouvre la bouche pour que si j'ai raison. Donc, finalement, au final, cette mine, c'est de la grosse merde! C'est. Décevant. Y'a rien d'autre à dire. Je m'attendais à beaucoup plus de cette mine parce que je voyais tous les trous qui ressortaient. Fait que je me disais, oh, ça doit être pas si pire, mais non! Vraiment pas! On va aller chercher ce fer-là. Merci Minecraft! N'aurait pas pu nous donner les plus grosses mines. Pas surtout elle est de la grosse merde. Je m'attendais à... Ok, je pensais que j'avais vu du fer. Je m'attendais à vraiment beaucoup mieux. Mais au final, vous me décevez. C'est l'une des pires mines que j'ai vues de toute ma vie. Moi qui étais full content de faire ce trajet, ce système-là. Au final, il me servira pas à... va me servir à pas grand chose. Bon ben, c'est ce qui est ça. Fait que on va prendre ma fameuse map et je vous en reviens. Et voilà, je suis revenu. Donc, ce que je disais plus tôt, on va aller explorer encore un petit peu la map pour essayer de trouver une mine qui était plus riche que qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc, sans plus attendre, on a ma fameuse map. Donc, si on regarde dans chaque coin, c'est pas si exploré que ça, entre autres dans ce coin-là, mais je sais c'est quoi qui est là. Sinon, au coin, dans le fond là-bas, je l'ai pas été encore exploré, puis vraiment... Par là-bas, c'est pas tout exploré, fait que... Pourquoi pas aller voir par là, d'un coup, que... qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Et là, j'ai oublié mon épée ou ma hache pour tuer des animaux. Ouais, ben... Bref. Maintenant, il y a quelque chose, mais je vais me taire. Donc, c'est ça, donc, si on peut trouver une fameuse... une autre mine beaucoup plus riche, ça serait agréable. Là, comme d'habitude, je tourne en rond. Je ne prends pas la chance de descendre parce que ça me tente vraiment pas de remonter après. Et oui, pour ceux qui ont vu, il y a un igloo ici. Mais rien de spécial dans cet igloo. Je l'ai visité et il n'a rien. Non, oh, finalement, on est... Oh, ça va quand même être dans des montagnes. De ce que je vois. De ce que je vois, ça va être dans des montagnes. C'est
correct. Mais qui sait, je pourrais peut-être trouver quelque chose d'intéressant. En fait, je l'ai toute visitée là-bas, c'est juste que je n'ai juste pas pris ma carte pour faire ça. C'est tout. Donc, maintenant, essayons de trouver quelque chose d'intéressant. Une mine serait très agréable. J'aimerais trouver une mine. Où trouver ceci? Oh. Il y a toujours du charbon, ce qui est pas très intéressant, à mon avis. Donc, des petites mines comme ça non plus, c'est pas très agréable à trouver parce qu'il a foutument rien. En plus, je suis tanné de tourner en rond justement pour trouver une mine. Ça continue de même, je voyais d'anciennes méthodes puis descendre jusqu'à la couche 12 pour trouver plus de trucs parce que là, je trouve rien. Je vais aller checker cette île. Si je trouve de quoi d'intéressant, ben tant mieux. Et oui, pour ceux qui ont pu remarquer mon un peu plus en détail mon skin, c'est bel et bien le skin de Castle Crashers. Je n'ai jamais joué à ce jeu, mais je sais que c'est Castle Crashers. Mais j'ai décidé de prendre ce skin-là parce que avec les autres skins, je trouvais que ce skin-là, il était beaucoup plus beau que toutes les autres. Donc, bon. Ben, déjà, en partant, c'est déjà mieux. J'ai beaucoup plus de fer que ce que j'avais trouvé dans mon autre mine. Donc, on va récolter le fameux fer. En espérant que ça descende encore plus bas. Et que je puisse me retrouver vraiment dans une belle place. Avec du diamant, de la redstone et tout. Mais ça serait un miracle. Je vais vous le dire. Ben déjà là, je retourne à la surface à partir d'ici. C'est pas bon signe. Mais au moins, il y a beaucoup plus de fer de qu'est-ce que j'avais dans mon. Même énormément. Donc. Mais oui, beaucoup plus de fer en tout cas, parce que je viens de ramasser au moins quasiment 30 morceaux de fer. Au moins quasiment. Fait que si je vais par là, j'ai quoi? Un trou. Ah, je ne trouve absolument rien. Ça. Pas d'allure. Pourquoi que je trouve rien? C'est-tu moi et puis ma malchance ou. Je sens que cette vidéo sera pas vraiment longue. Parce que mon but dans cette vidéo-là était de. Justement, miné. Mais, comme c'est là, il n'y a rien pantoute. Et oui, regardez, si vous voyez bien quand même, je sais pas si vous voyez bien dans votre écran, mais le manoir est complètement détruit. On va aller le visiter, juste pour vous le montrer. À cause que j'ai agit d'une manière stupide. Justement, la pièce qui contenait ce fameux bloc de diamant
Et oui, parce que j'ai un bloc de diane au moins dans mon coffre, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire de mon diane. Mais à cause de ça, j'ai accidentellement brisé un morceau de verre qui a tout fait couler la lave. Donc, si vous pouvez constater les dégâts, maintenant, le manoir ressemble pas mal à ça. On marche vraiment dans les débris. Au moins, le coffre avec ses pouces est toujours là. Une couple de pouces qui sont toujours là. Il n'y a rien dans les coffres. Surtout dans la salle de coffre. Je suis allé checker un peu dans le. Sur le. Ah, oh, ben tiens, regardons un bloc délabré. Mais je suis allé checker un petit peu sur le Minecraft Wiki pour voir qu'est-ce qui pouvait contenir un manoir. Puis. J'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, disons. Fait que. J'ai abandonné mes recherches. Puis j'ai décidé de tout brûler, comme qu'on pourrait dire. Ah, oh, ben au moins les. Ah, je sais qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Donc, on va ramasser ceci. Mais on va ramasser les nénuphars. On va tout ramasser. Donc, on va pouvoir. Dans le prochain épisode, on va pouvoir créer notre champ. En fait, de commencer. Je me rappelle par exemple que dans un des coffres, j'avais laissé un peu de mon stock, mais je me rappelle plus où est-ce, dans quel coffre je l'ai mis. En plus, c'est tout démoli ici. On fait du parcours maintenant. Bon. Je pense que c'était dans celui-là. Je suis pas sûr, mais je pense. Ah non, ça c'est les alliums. Ils me servent pas pour tout à grand-chose, à part faire de la décoration. J'ai des blocs qui me gênent. Et on fait vraiment du parcours. C'est dangereux, pareil. Vous voyez, la source de lave était complètement dans ça ici. Ou l'obsidienne et les blocs de vitre. Puis en fait, j'ai pété un morceau de vitre accidentellement et tout a coulé. Donc bon, ben, je redescends en bas. La vie m'est prédestinée à rester en bas. Je me rappelle plus dans quel. Sérieusement, je me rappelle plus dans quel coffre j'ai mis. C'est peut-être dans l'autre manoir aussi. Parce que oui, j'ai deux manoirs dans ma map. Si vous regardez un petit peu sur ma map, c'est vraiment dans le coin en bas à droite. Donc, oui, c'est loin. Ah oui, les fameuses pumpkins, puis les. Ah, il y a une bannière ici. Je m'en étais jamais rendu compte. C'est la première fois que je me rends compte qu'il y avait une bannière là. Donc, finalement, là, j'ai pas de hache pour ramasser ça. Ce qui aurait été fort agréable. Parce que j'ai vraiment peur de laisser faire. On ramassera pas ça tout de suite. On ramassera en temps et lieu. Toujours avec ses plantes, puis la salle de coffre qui a absolument rien. Mais bref. Bon, ben, vu que je ne trouve pas ce que je veux, je pense qu'on va arrêter ici. Donc, si n'hésitez pas à marquer des commentaires ou des sortes de défis que vous voudriez que je réalise dans ma survie. Et oui, mais par exemple, ne mettez-moi pas comme défi
Allez, va battre le dragon, va battre le dragon, c'est déjà envisagé comme d'habitude. Puis c'est pas mal ça pour cet épisode-ci. Donc, sur ce, il va toujours des. Ça va être. Je sais pas quand va être les vidéos, mais présentement, j'ai. Écoutez, ça fait 2 mois que je suis pas actif sur ma chaîne YouTube. Là, faut que absolument que je me remette dedans. Donc, vu que mon frère, il prend pas la Xbox, bon, je vais en profiter. Donc, c'est sur ces mots que se conclut cet épisode. Donc, n'hésitez pas à balancer un like ou bien à mettre des commentaires, des idées de projets que vous voudriez que je réalise. Et sur ce, on se revoit dans le deuxième épisode de Minecraft. Ciao tout le monde!